Ratchet & Clank 2002-2016. Salut Chiki, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Ratchet & Clank PS4 et ça va faire la première fois depuis 2007-2008, je sais plus quand est sortie, la taille ça compte, que je vais découvrir un Ratchet et là je vais le faire en votre compagnie pour ce Let's Play. Donc bienvenue dans l'épisode 1 du Let's Play de Ratchet & Clank PS4. Donc j'entame ce nouveau Let's Play dès la sortie du jeu quasiment, il est sorti hier mais bon, je pense que la vidéo mettra un peu plus de temps à arriver sur YouTube. Faut que je fasse l'intro, faut que je crée une nouvelle outro, faut que je crée un petit cadre parce que maintenant je vais faire un face commentary, c'est décidé. Et on va découvrir à quoi va ressembler le jeu. Donc waouh, ça me fait tellement plaisir de redécouvrir Ratchet & Clank. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu cette sensation là. Parce que Ratchet, mine de rien, ça a été une phase marquante de ma vie, hein, de ma jeunesse, de gamer. Et franchement, en redécouvrir un nouveau. Bon, mettons les choses au clair, je n'ai jamais touché aux opus PS3 en fait. J'ai pas eu l'occasion, j'avais pas la PS3 lorsqu'ils étaient sortis. Et je l'ai eu que bien trop tard et j'ai pas eu le temps de tout rattraper en fait. Fallait que je les achète. Mais je les ferai peut-être en let's play si dans le Choice Corner consacré à Ratchet & Clank justement, je vous propose. Je vais certainement vous proposer, j'en sais rien moi, Opération Instruction, je crois que c'est le premier sur PS3. De toute façon, il n'y a pas vraiment de continuité entre les opus PS2, les opus PS3 et celui-ci qui a un nouveau reboot. Donc on revient aux bases du jeu. Donc c'est vraiment trois sagas en fait. Et celle-ci, c'est la troisième et j'ai hâte de voir comment elle va débuter. Alors, nouvelle partie. Tiens, il y a... Ah, ça avait été incrémenté depuis Ratchet Gaiator. Il nous proposait des modes de jeu différents, enfin des difficultés différentes. On va prendre évidemment normal pour la nécessité du let's play qui sera bien plus facile que si je le faisais en difficile et plus facile à commenter pour moi du coup. Une aventure pour les joueurs expérimentés dans le deuxième prénom et peut-être danger ou pas, parce que ce serait vraiment bizarre. Bon, on retrouve peut-être l'humour du jeu, de la trilogie originale. En même temps, c'est les mecs d'Insomniac qui ont fait le jeu, donc ce sont les mêmes qui ont fait sur les premiers Ratchet & Clank. Ils ont toujours gardé leur licence, et ça c'est très important, je pense, pour garder l'essence même d'un jeu. Et qu'est-ce qu'ils proposent en difficile pour les joueurs experts qui aiment affronter les Rockinators à main nue et s'éloignent des explosions d'un pas nonchalant. Bon, allez, normal. Décollons pas. Valdin ! Ah mais oui, ça va reprendre le jeu, enfin le premier opus dans toute sa narration. Déverrouillez le bloc 7 ! Allez, avance, Shiv. Tu te prends pour un héros, hein ? Identification du prisonnier 117. Shiv. Elix. Tu crois que tu peux me mater, sale poulet? J'ai éclusé les trous les plus sordides de l'univers. Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulons. Les fosses de l'éternité de Zordum. Les cachots de fer de Novalis. Les... Bien le bonjour, le nouveau, je suis... Le capitaine Quark? J'y crois pas. Vous ici? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez? Bon, ça suffit comme ça. C'est à toi que je m'adressais, Zed. Oui, capitaine. Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures. Et comment? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie. Il est plus aussi célèbre. C'est pas sympa, ça, Bill le solitaire. J'adore ce que vous faites. J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank. Le quoi? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax. Oh, tu veux sûrement dire l'holo-film? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu. Il est inspiré de l'holo-film. Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais envoyer direct en prison. Ils font un jeu basé sur un holo-film basé sur ma vie? Mais ils ne m'ont même pas consulté. C'est ma faute. Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de mes fans en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, capitaine. C'est vrai? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet.
Où est-ce que tu vas comme ça? Hé hé, Grim, t'es là? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Eh bien, je suis là. Je suis toujours là. Tes cachotteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques, par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques, là. Le capitaine Quark sera là. Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de Monsieur Micron. Occupe-toi de ce cranco-boulon. Ce vaisseau wow. A l'air aimanté. Occupe-toi de ce cranco-boulon, allez. Ok, attendez deux secondes que je puisse un peu blablater de ce qui vient de se passer. Donc, on a l'agréable surprise de se rendre compte qu'on a le doublage VF de qualité avec les voix de Quark qui viennent tout droit des jeux PS2. Par contre, je savais que la voix de Ratchet avait changé dans les opus PS3 et je pense qu'ils ont dû prendre le même doubleur que les opus PS3 vu que c'est les plus récents, c'est logique. Ils avaient changé, c'est dommage parce que j'adorais le doubleur PS2, enfin peu importe. Et en tout cas, c'est pas le doublage du film parce que, comme vous le savez peut-être, c'est Squeezie qui double Ratchet. Un plus grand déplaisir. Ouais, parce que. On aura peut-être l'occasion d'en revenir si je parle du film un de ces quatre, mais bon, il y a plein de choses à aborder. Attendez. Waouh, c'est beau! C'est magnifique! Ah ouais, c'est pas du tout. C'est l'esprit Ratchet & Clank, mais là, on est quand même au niveau supérieur. On sent qu'on est sur PS4 quand même, hein, parce que les remix PS3, ça va un moment. Hein, Ratchet & Clank 1, 2, 3, Ratchet Gator. Mais on sent quand même que. Il commence à dater les jeux et là on est vraiment sur un jeu contemporain et ça fait plaisir à voir hein. Visuellement c'est magnifique, ça ressemble vraiment à ce que peut nous proposer le film. J'ai pas encore vu mais d'après les bandes annonces c'était quasiment les mêmes graphismes, donc c'est un truc de fou. Il y a vraiment un jeu de mise en scène contrairement aux autres Ratchet & Clank aussi, les bandes annonces qui ont l'air d'avoir pas mal de mise en scène. Occupe-toi de ce cranco-boulon, allez! Ouais, Grim, laisse-moi un peu profiter de mes abonnés. L'avionique est morte, le processeur est mort. Même ces maudites bobines de gravité sont mortes. Voyons si ces nouvelles Versa ampoules fonctionnent. Lève la tête, tu vois quelque chose clignoter? Petit test de. À gauche, c'est bon! C'est un miracle. Passons au feu du propulseur. Baisse la tête, tu vois quelque chose. Lumière, propulseur inférieur gauche, ok. Ce truc va peut-être finir par décoller après tout. Encore une fois droite. Propulseur inférieur droit, ok. Bon, je peux y aller? Ouais, c'est bon. D'après les infos, les épreuves de sélection se tiendront à la fête foraine. Mais en leur plein la vue. C'est ainsi que Ratchet entama son périple dans l'espoir de devenir Ranger Galactique. Attention les gens! Découverte du monde ouvert! Ouah, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Wow. Eh, les gens, je prends mon pied là. Ah oh, là là, c'est trop beau! Oh là là, je pense que je vais pas être objectif sur ce jeu, tiens. Redécouvrir un jeu basé sur un univers dans lequel. Qui vous ont fait grandir, en fait, dans une version toute neuve, toute fraîche. La bande-son qui est soignée. Enfin, je parle des musiques et tout, mais c'est. C'est génial, mais c'est magnifique. Je sais pas à quoi ça sert, je pense que je devrais pas détruire tout ça. Alors le double saut, bien sûr. Évidemment, on n'a pas encore rencontré Clank. On revient vraiment au tout début. Enfin, c'est une nouvelle approche de la vie de Ratchet. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Donc il faut faire un pas sur tout ce que je vous ai montré depuis le début de mon aventure Ratchet & Clank sur YouTube. Et voilà, on repart depuis le début à zéro. Pour le plus grand plaisir de ceux qui avaient envie de voir une nouvelle approche de la saga. Pour ma part, ça me va, très bien, ok, pourquoi pas, s'ils veulent nous montrer un autre relationnel entre Ratchet et Quark, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se tramer entre les deux. Évidemment, hein, vu que Quark raconte notre propre histoire. Ratchet frappa ses ennemis grâce à sa fidèle super clé. Hop là, tac. Hop là. Attendez, il faut que j'aille voir où là, parce que. Il n'y a pas deux chemins à prendre. Excusez-moi. Désolé, c'est l'émotion qui fait éternuer. C'est tout à fait cohérent ce que je dis. Tac. On n'a pas encore le. Évidemment. What? Ça va. Il n'y a rien là par ici. On n'a pas encore. Ah tiens, les boulons ne disparaissent pas. Donc ça reste comme les anciens Ratchet & Clank. On n'a pas encore la trappe boulon qui nous permet de récupérer les boulons à une distance infinie.
Ratchet utilisa une vénérable technique ancestrale de guerrier, le saut. Mais ta gueule, Quark, tu dis toujours de la merde, t'as pas changé toi. Une barre d'expérience, 10 vies, ça change pas, ça c'est pareil. Une interface, une HUD, enfin ATH plutôt en français, affichage tête haute, magnifique. Super sobre et tout, qui apparaît comment d'ailleurs? On peut pas la faire apparaître comme ça, on est obligé de gagner des boulons ou de perdre la vie. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que les commandes sont plutôt inversées au niveau de la caméra. Mais bon, on va s'y faire, je vais pas le changer parce qu'après sinon je vais prendre des habitudes et si je change, je sais que je vais bugger. Le danger mortel l'attendait. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de nanotech pour se soigner. J'en ai utilisé après avoir cambriolé une banque une fois. Ça a guéri genre 3 blessures par balle sur 5. Oui, parce qu'il y a, je sais pas comment il s'appelle, Zibre ou Zib, je sais plus comment il s'appelle, l'autre criminel. J'ai pas trop fait attention. Je sais que notre patron là, le genre de garagiste, il s'appelle Grim. Ah mais c'est, attendez, j'ai l'impression que c'est le même level design. Ça fait penser au même level design que Ratchet & Clank 1, sorti sur PS2 évidemment. Genre le saut et tout, ça fait, ouais, je sais pas. Peut-être pas, hein, mais peut-être que je me fais des idées. Mais... aucun respect pour la propriété publique. Non mais regardez-le démolir ses caisses, vandale. Peut-être. Oui, mais il y a des boulons dedans. Plein de boulons pour acheter une arme qui lui permettrait de sauver la galaxie. Hé, hey, c'est qui le narrateur de cette histoire? Donc, allez, pardon pour tous ceux qui ne connaissent pas le Ratchet & Clank, tout simplement, la licence. Un Lombax, c'est une race extraterrestre. Ratchet est un Lombax, par exemple. Donc voilà, si ça vous parlait pas jusqu'à présent, je me suis pris. L'ennemi vaincu, Ratchet reprit sa route. Sa destination, sa destinée. Pas mal. Donc là, la nanotech nous fait gagner de la vie, évidemment. Enfin, elle nous redonne de la vie perdue. Nanotech, donc c'est la gestion de la santé en fait. Encore une fois, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout, enfin qui ne connaissent rien à l'univers Ratchet & Clank. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ou si vous êtes tous des fans inconsidérés, mais ouais, c'est superbe, c'est superbe. Non, c'est pas le même level design que Ratchet & Clank 1 sur PS2. Il y a quelques petits clins d'œil. En même temps, c'est Veldin, vous me direz. C'est normal que ça se ressemble. C'est une planète un peu, je sais pas, un peu désertique au final, hein, si on y pense bien. Un peu comme comme Luke Skywalker qui veut s'échapper pour devenir un héros de sa galaxie. Alors, peut-être qu'il serait judicieux... Attendez, voyons voir comment se déroule le menu. Donc, on a armes, évidemment, on n'a rien, tu n'as pas encore d'armes. Ah tiens, il n'y a pas genre des curseurs pour pouvoir déplacer sur les armes pour savoir combien il y en a dans le jeu, c'est pas grave, comme ça sera la surprise. Gadget, super clé. Et on a le Swinger, on a déjà le Swinger en début de jeu. Le Swinger, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gadget qui apparaît dans tous les Ratchet & Clank, absolument tous. Fort utile. Carte, d'accord, ok. Ok, bon, on est presque arrivé à la fin de la planète. Bonus, galerie d'images. Ah, on les débloque avec les boulons en titane ou un truc comme ça, je pense. Je sais pas. Oh, Ratchet & Clank 2002. Ok. C'est quoi ? Paramètres d'apparence, filtre d'écran, style de boulons, masque, etc. etc. Ok. Cheat et des cheats. Ok, d'accord, ça marche. Option de jeu, option de commande, option audio. Ouais, je vais faire option audio. Baisser un peu la musique, baisser un peu les effets pour garder les dialogues au maximum. Je pense que c'est le mieux. Et du coup, moi, je vais augmenter un peu le son. Tant qu'à faire. C'est plus cohérent au niveau de la compréhension des lignes de texte. Salut cadet, ici Cora Vérolux. Montre-nous à quel point tu peux être rapide en sautant par-dessus ces obstacles. Rapide, moi, mais bien sûr. D'accord. Le ranger okay. Doit toujours être conscient de ce qui l'entoure. Saute sur ses plateformes mobiles. Bien okay. Joué. Tu Merci. Seras peut-être notre nouvelle recrue. Continue vers la suite du parcours. Mais bien sûr, je serai votre nouvelle recrue, tu crois quoi? Bonjour petit, je m'appelle Brax Lectrus et ma spécialité c'est la force brute. Voyons si t'arrives à détruire toutes ces caisses. Bon, c'était pas mal du tout. On continue. Voyons comment tu te débrouilles avec une arme.
Ah. Donc un gant à fusio-bombe chez ce vendeur gadgetron. Waouh, nouvelle arme, gant à fusio-bombe à 100 doublons. À mon avis, ça va pas. Enfin, les futures armes vont être plus chères. Fusion-grenade, appuie sur croix pour acheter fusio-grenade. Ok, veux-tu vraiment. Oui. Achat réussi, achète et améliore des armes auprès de n'importe quel vendeur gadgetron. Donc, ok, il y aura une. Encore une fois. Génial, étape suivante, tout faire sauter. R2, ok. Ça, c'est pas pareil que dans les autres achats. Je vous rappelle qu'ils. Qu'on utilisait les armes avec rond, donc ça a changé. Évidemment, les armes ne servent pas qu'à détruire des environnements du décor, ça sert également contre les ennemis. Solana est un endroit dangereux, comme le prouve la grande quantité de munitions laissées un peu partout dans des caisses. Ok, donc ça c'est les caisses de munitions. Hein. Ça ressemble pas du tout au design qu'on avait eu sur PS2. Je vais faire beaucoup de comparaisons dans cette vidéo, c'est normal. Je vous en prie, n'insistez pas pour me serrer la main. Ma poigne puissante et virile est connue pour ébranler la confiance des hommes les plus courageux. Mais je me suis cramé les fesses ou les pieds plutôt. Mais c'est pas ça qui va venir à bout de moi, j'ai encore 8 nanotech. Oula, on a un robot pyromane. Ces mannequins sont armés de lance-flammes gadgetron. D'après nos avocats, c'est légal. Bien joué, petit. Tu pourrais bien devenir le prochain Ranger Galactique. Moi j'y crois. Le dernier défi. Dernier défi. Tu peux y arriver. C'est l'heure de l'ultime défi. Si tu survis à cette redoutable vague d'ennemis, tu deviendras peut-être le prochain Ranger Galactique. Ou alors un simple statut. Donc en gros, t'as intérêt de survivre. Après, ça, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser forcément le. Wow! Ah, bah si! J'allais dire les armes, mais en fait, vaut mieux rester à distance face à ce genre d'ennemis. Boum! Wow! Niveau supérieur, bat des ennemis pour augmenter ta santé maximum. Plus 10? Ah, oui, d'accord, ça va vite en fait. Donc. Aurions-nous sous les yeux le prochain Ranger Galactique de Solana? Alors, je sais pas quelle sera la santé maximum, mais du coup. C'est surprenant parce que dans Ratchet & Clank sur PS2, les nanotech progressaient de 1 à, enfin, de 1 en 1. Ah, il nous demande de venir le voir. Non, ça va. Il nous demande de venir le voir, donc ça veut peut-être, enfin, ça signifie sûrement que on va être embauché et recruté. Et vous voyez qu'il y a la jauge du gant à bombe. Ah, mince. Mesdames et messieurs, le sauveur de Solana, le capitaine. Bonjour, Veldin. Bonjour, capitaine. Il s'est encore enflammé. Je sais. Mon nom est Copernicus Quark. Eh oui, je viens bel et bien de traverser un redoutable mur de flammes. Je vais être honnête avec vous sur ce coup. Quand le président Phyronix m'a conseillé de recruter un nouveau ranger, j'ai tout de suite su où aller. Exact. On a besoin de vous. Ouais. Je sais ce que vous pensez. Est-ce que je suis à la hauteur? Après tout, ce n'est pas vous qui avez empêché le docteur Nefarious d'atomiser Aliro City. Ce n'est pas vous qui avez empêché Neftin Prog de rendre tous les habitants d'Aridia daltoniens. Deux fois! Et vous ne possédez sûrement pas cette mâchoire ciselée et ses pectoraux dignes d'un dieu. Mais si vous avez du courage, alors vous serez à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Mais... j'ai du courage? Oui, mais malheureusement, ce courage est emprisonné dans un corps faible, dépourvu de muscles et d'expérience. Et puis, tu as un lourd passif derrière toi. J'ai une longue liste de procès-verbaux sous les yeux. Possession illégale d'un répulseur de gravité. Utilisation d'un accélérateur de contrebande. Perturbation répétée du continuum espace-temps. Ça, c'est plutôt amusant. Tu prends des risques, tu n'en fais qu'à ta tête, et tu es dangereux. C'est mon truc. Attendez! Laissez-moi une chance. Désolé, pas le temps. Galaxie à sauver. Rentre chez toi et n'oublie pas, rien n'est impossible. Enfin, quand on est moi. Suivant. Pendant ce temps, sur la planète Quartou... Docteur Nefarious, le professeur fou grâce à qui tout cela est devenu possible. Fou suggère une détérioration cognitive. Je dirais plutôt professeur rancunier.
J'imagine que vous êtes ici pour voir l'armée. Quel est ton objectif principal ? Détruire les Rangers Galactiques. Quel est ton objectif principal ? Détruire les Rangers Galactiques. Quel est ton objectif ? Bonjour. Anomalie détectée. Préparation à la destruction immédiate. Dans 3, 2... Oh, une anomalie ! Attrape, Victor ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a... on va incarner Clank ou... Ah oui. Anomalie savait que sa seule chance de survie était d'emprunter le système de ventilation du bâtiment. Si elle parvenait à atteindre le conduit, elle pourrait peut-être s'en sortir. Oh, c'est beau ! C'est beau, les boulons qui brillent à la lumière. Je sais que tu trouveras cette anomalie, Victor. Tu ne me déçois jamais. La chétive anomalie savait que pour survivre, elle allait devoir lancer une bombe sur tout ce qui se dresserait sur son chemin. L'anomalie aperçut un robot ressort à quelques pas. Elle savait que grâce à cet astucieux gadget, elle allait pouvoir vaincre la plus redoutable des forces, la gravité. La pauvre anomalie devait lancer un robot ressort, mais où et comment ? D'accord, ok, ça marche comme ça. Donc Clank qui cède encore une fois de ses potes robots. Ok, ça me va. Boum. Et les dégâts d'explosion ne nous touchent pas. Il y a que les tirs ennemis qui risquent de nous porter préjudice, mais là c'est bon. En tout cas, j'ai l'impression qu'on aura... Waouh ! Oh, c'est Victor, c'est ça ? Oh là là ! Arrête de fuir, misérable tas de ferraille ! Oh là là, j'ai chaud. Ah ben je suis mort. Non, Victor a gagné. Donc, si j'ai bien compris, on aura deux méchants dans cette... Enfin, on a Victor, le robot, mais j'ai vu qu'on avait deux méchants emblématiques de Ratchet & Clank, à savoir le Docteur Nefarious, qui apparaît dans Ratchet & Clank 3 et certains des épisodes de Ratchet & Clank, la série future, et le Président Drake, qui a été le méchant du premier Ratchet & Clank. Donc. Et ils sont tous les deux alliés, c'est très surprenant parce qu'on ne les avait jamais vus ensemble du coup dans les anciens Ratchet & Clank. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Comment on fait pour esquiver ? Qu'on règle ça entre robots de guerre civilisée. Oh mince ! Bah c'était pas ça qu'il fallait que je le fasse. Allez, les conduits de ventilation, c'est toujours... L'anomalie vit un robot batterie. Ce gadget pouvait alimenter toutes sortes de machines. Mais où devait-elle le lancer ? Vous avez vraiment le don de tenir le public en haleine. Merci, Shiv. J'aime à me considérer comme un narrateur exceptionnel. Shiv, ok, d'accord. Quel est le problème, putain ? Il ne m'échappera pas. Il est entièrement à ma merci. Oui, si on peut dire ça. D'accord, donc non, il vaut mieux que j'aille de l'autre côté d'abord. C'est plus judicieux, on s'empare de ça. Pour le balancer sur le truc. S'ouvrir une porte. Attendez, il nous faut une bombe là-bas. Ok, et la bombe on va l'utiliser pour le conduit là-bas. Non, c'est bizarre, je marchais, enfin... J'ai orienté le joystick pendant que on était en genre de semi-cinématique et ça a fait bouger Clank en cinématique en fait. Du coup, on peut progresser dans le jeu même lorsque on n'a pas la caméra dessus. Bon, non, ça va, nickel, très bien. Ah, est-ce qu'on va retrouver Victor ? J'espère pas. Et si ? Pouvoir m'échapper. Genre, enfin, je pensais. Ok, d'accord. Donc il faut virer de bord dès que le truc devient rouge. Hein. Faut pas attendre plus longtemps. Oh merde, bah, là j'ai... C'est que j'étais bien pourtant. Hop là, tac. Faut peut-être orienter ces tirs. Espèce de sale anomalie.
Voilà, il faut orienter ses tirs le plus à gauche ou le plus à droite possible pour pouvoir avoir la marche pour sauter dans le côté opposé en fait. Et esquiver assez facilement son tir. Ah oui, mais je sais pas comment je l'évite moi. Ah oh, d'accord, ok. Ouh, là il est chaud! C'est pas si évident que ça, hein. En général les courses poursuites c'est souvent très facile. Mais là, il y a un peu de défi, un peu de challenge. Et je vous garantis que le fait qu'il aime pas l'eau, ça va revenir dans le scénario plus tard. C'est sûr. Ça va être un moyen de le battre pour un truc comme ça. Ordinateur. Définis les coordonnées de la base des Rangers Galactiques. Destination définie. Nous n'y arriverons jamais, mais bon, qu'allez-vous faire? Oh là là. Je ne serai jamais Ranger. La coque de Vector est intacte. La carte sœur semble l'être aussi. Je dois aller à Aliro City. Ils sont en danger. Bon, bon, bon. Hé, qui est en danger? Une armée est en route. Je dois les prévenir. Oh, attends, calme-toi. Tu t'es écrasé. Pourquoi on n'irait pas à mon garage ensemble? J'établirai un diagnostic et je te remettrai sur pied en moins de deux. Merci, j'apprécie beaucoup votre aide. Pas de problème. Bon, comment tu t'appelles? J'imagine que ma dénomination exacte est Robot de guerre Anomalie B5429. Et si je t'appelais Clank? Moi, c'est Ratchet. Monte et descend? Ouais, voilà, t'apprends vite. Des tonnes de questions se bousculaient dans la tête de Ratchet. Parviendrait-il à réparer ce minuscule robot de guerre? Serait-ce là la clé de l'aventure dont il rêvait? Avait-il laissé le protomateur dans le garage? La réponse à toutes ces questions était oui. Ok, attends, je vais nous ramener au garage. What? Mince, pardon, excusez-moi. Je ne m'attendais pas à ça. Waouh, c'est... Attends, vous avez vu, on est... Je vais nous ramener au garage. On est lumineux. Ça se tue, ça, ou pas? Ah oui, ça se tue. Mais c'est mignon, donc on va pas le tuer. Et ça rapporte pas de boulon. Désolé d'avoir tué l'un des vôtres. Waouh, c'est beau en... De nuit aussi. Non. Rien par ici. Rien par ici non plus. Alors, c'était un jeu d'enfant pour Ratchet. Tout ce qu'il lui fallait pour les traverser, c'était un swinger et un peu de courage. Alors, je me demande juste un truc. Est-ce que les armes fonctionnent avec rond? Parce que du coup, j'ai utilisé le swinger comme à mon habitude avec rond, ou cercle plutôt. Ah non, eh ouais, les gadgets vont s'activer avec le rond. Alors que les armes, c'est R2. Non, ouais. Deuxième tentative, j'aurais peut-être pas dû. Par chance pour notre héros poilu, une caisse bien placée fournit un combustor à Ratchet. Un combustor!
Ratchet découvrit la liberté procurée par le fait de pouvoir changer d'arme en tout temps. Ah, le retour du Select Prompt. Combustor, 0 sur 40. Évidemment, je n'ai pas de munitions. Mais j'ai des boulons, donc on va peut-être pouvoir... quelque part pour ouvrir la porte. Et non, pas de munitions. Mes détecteurs indiquent un interrupteur de... D'accord, ok. Très joli tir. Merci. Ah, mais ça se recharge automatiquement ou pas? Est-ce que, genre, si j'attends 3-4 secondes, ça va y avoir une autre caisse ou pas? Parce que... Ah, c'est cool! On peut pas recharger à l'illimité, du coup. Encore une autre? Boum! Allez, maintenant on l'a fait. Comment on fait pour traverser, par contre? Ça va être un peu juste, non? Vous trouvez pas? Bien joué. Ah, d'accord, ok. Bon, tant qu'à faire, la caisse elle est revenue. Ça nous fera les 3 munitions qui nous manquent. Nickel. Oula. Apparemment, il y en a qui sont à la recherche de Clank. Oh non, des blagues. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Mes bases de données contiennent des informations compromettantes pour le président Drake. Il a dû suivre mon signal jusqu'à cette planète pour les récupérer. D'accord, donc... plus mal. Blessé, perdu et seul, il parcourait... Ratchet devait réfléchir vite. Le crochet était peut-être la solution à ce nouveau problème. Désolé, croire que tu t'es coupé toi-même. Je suis allé trop vite dans le jeu. Verrouille les portes du garage et file te planquer dans l'abri. J'arrive dès que je peux. Bien reçu, Ratchet. Alors les Blarks, ce sont les aliens qui nous attaquent en fait. C'est une race d'aliens encore. Un peu belliqueuse, je crois. Mince. Je crois qu'on les a tous eus. Super. Et la nanotech pour reprendre tout ça. Des munitions pour le combustor, du coup, qui est un genre de plasma mitraille au final. Vu que c'est une genre de petite mitraillette. Oh, le bruit, c'est le même que dans les anciens opus. C'est une navette Blark, ça ? Exact. Ça ? Le modèle X6Z, pour être précis. Aussi connu sous le nom de navette de la mort. Super. Ouh là là, hop là, tac, on regagne un peu de santé. J'ai changé d'arme, je me suis pris le gant à bombe, peut-être que ça a mieux marché. Surtout que ça aide la portée quand même, hein, ce petit gant à bombe. Ouais, yes. Merci. Ah oui, ça revient vite quand même les munitions. Au final, on va peut-être pas devoir les acheter chez les vendeurs si les caisses sont accessibles indéfiniment. De toutes les missions que Drake aurait pu nous confier, on traque une anomalie. Ah, c'est pas si mal. Les rayures, le soleil brille. C'est ça la nature. On aurait nous a pas vu. Cerner le garage de Grimm. Grimm, tu vas bien? Je vais bien, petit, mais j'ouvrirai quand le coin sera dégagé. Tiens bon, Grimm, je vais te sortir de là. C'est bon, on retourne au garage de Grimm. Tu vas mourir, Lupas. J'étais en holo vidéo. D'autres ennemis approchent. Je détecte une navette en approche. What? Les robots ils se mettent contre moi aussi. Ratchet, c'est un vrai dépotoir. Il y a des armes démontées et des pièces de moteur partout. T'étais pas censé ranger tout ça la semaine dernière. Ouais, désolé, j'ai été retenu sur un projet. Qu'est-ce qu'il parle de ranger? Explosion quantique. Bon, il met ça n'importe où. J'ai noté la page. C'est quoi ça? S'amuser avec les singularités et autres phénomènes cataclysmiques. C'est plus pour m'instruire, vraiment.
Ça fait toujours plaisir de rencontrer un collègue érudit. En fait, je me contente de regarder les images et je fais de mon mieux. On n'a pas de... Ah, non. Ah non, je croyais qu'on avait un pack de nanotech là, parce que là, on n'a plus que 5 censés. Ça va baisser vite. Ah si, on en a une ici. J'ai bien fait faire le tour. Ah, il y en a une aussi ici. On gagne 5 nanotech par boîte, j'ai l'impression. Par caisse. C'est ça. Ouais. Oh cool. On est venu à bout. C'est bon Grim, la voie est libre. Tu peux ouvrir ? Ratchet, lontain Sony, qu'est-ce qui vient d'exploser ? Désolé pour ça Grim. Prépare mes outils, tu veux ? J'ai trouvé un truc dans le désert, j'aimerais l'examiner. Intéressant. Dans quel genre d'usine sommes-nous ? Ça ? C'est juste un garage. Je vis ici depuis que je suis petit. Allez, viens, on va te réparer. Il en a une connaissance fine, Clank, pour quelqu'un qui vient juste d'être créé. Clank exposa le plan de Drake pour attaquer le QG des héros. Ne pouvant compter sur les Rangers, Ratchet savait qu'il devait agir, même si ni Clank ni lui n'avaient les muscles nécessaires pour accomplir un travail de héros. Je peux carrément aider. Oh, je ne peux pas demander à un civil de prendre part à une opération aussi dangereuse. Non, je ne suis pas un simple civil. En fait, les Rangers sont... mes amis. Pourquoi est-ce que j'aurais toutes ces photos d'eux, sinon ? Mais pourquoi tu n'es sur aucune d'elles ? Bah, il fallait bien que quelqu'un les prenne, non ? Regarde, j'ai même un vaisseau. Il se démonte pour infiltrer les bases ennemies. Qu'est-ce que tu en dis ? Étrange. Je capte un signal venant de Novalis. Ça semble être une sorte de signal de détresse. Mais il a été camouflé à l'aide d'un brouilleur de signal Blarg. Et pas de panique, l'ordinateur nous aurait prévenu si on courait un véritable danger. Collision fatale imminente. Enregistrez vos dernières volontés et votre testament. Bon, d'accord, c'est pas très rassurant. Il y a des dégâts, mais j'ai déjà réparé pire. Allez, on trouvera peut-être quelqu'un pour nous aider en ville. Ok, donc c'est exactement le même cheminement qu'on avait dans Ratchet & Clank, foyer du nom. On devrait peut-être améliorer nos armes. Utilisons ce vendeur et profitons-en. Ouais, peut-être une autre fois, parce qu'on va s'arrêter ici. Ouais, on est sur Novalis, donc c'est exactement le même cheminement que Ratchet & Clank 1. Hein. Et même level design, regardez. Et là... Y a pas un... Ah si, voilà le cours d'eau là-bas et tout. Il y a la grotte. Ah, oh, c'est exactement pareil. J'espère non plus que... Enfin, j'espère pas qu'on va avoir non plus le même jeu. Ça serait un peu dommage. J'espère qu'il va y avoir de la nouveauté. Mais au niveau du clin d'œil, ils ont assuré quand même. Hein. J'ai envie de voir ça, mais on verra ça la prochaine fois dans le prochain épisode de Ratchet & Clank. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas. Un dislike dans le cas contraire. Avec un petit commentaire qui explique pourquoi vous laissez un dislike. À vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre l'aventure de Ratchet & Clank dans ce nouvel opus, sorti tout frais, hein, c'est le plus récent Ratchet & Clank auquel j'ai joué sur ma chaîne. On se retrouve pour l'épisode 2, je compte sur vous pour être présent, merci pour votre soutien, et prenez bien soin de vous, ciao tout le monde, bye.